Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo pour travailler les membres inférieurs, les jambes. Donc pour cela, on va réaliser trois exercices qui sollicitent fortement les jambes, donc principalement les quadriceps, les muscles à l'avant des cuisses et les fessiers. Donc pour cela, trois exercices phares. 1, le squat. 2, le squat écart. Et 3, les fentes. On va commencer par le squat classique. Donc pour cela, on va se positionner les jambes à peu près parallèle largeur d'épaule, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et ici, en gardant bien les pieds à plat sur le sol, c'est important, les genoux alignés avec les pointes de pied. Je vais fléchir genoux et hanches ici. Et je descends et je remonte. Voilà, ce qui est important, c'est bien garder les pieds à plat et l'alignement genoux avec les pointes de pied. Pensez à bien regarder droit devant. Serrez le ventre, pensez aussi à avoir votre dos bien droit. Voilà, vous pouvez descendre à peu près ici, jusqu'à 90 degrés, pas plus bas, ça suffira. Donc, ce que vous allez pouvoir faire avec ce squat, vous allez pouvoir aussi changer la vitesse d'exécution et vous allez pouvoir faire des blocages en travaillant en isométrique, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Deuxième variante au niveau du squat. Au lieu de descendre et de remonter, on va pouvoir descendre ici, bloquer un petit instant en bas, et on remonte. Je recommence, je vais pouvoir descendre, bloquer un petit instant en bas, et je remonte. Donc vous allez pouvoir répéter plusieurs fois ces répétitions. Vous allez pouvoir également rester un certain nombre de temps en bas, 5 secondes, 10 secondes, hein, comme vous le souhaitez, en fonction de votre niveau. Et répéter plusieurs répétitions. On va pouvoir aussi effectuer des petits rebonds. Donc je vais descendre toujours en squat et au lieu de rester statique comme tout à l'heure, je vais effectuer des petits rebonds ici. Donc ça va intensifier un petit peu le travail sur mes cuisses. D'accord? Donc vous allez pouvoir effectuer aussi un certain nombre de rebonds en fonction de votre niveau, plusieurs séries, etc. Donc voilà pour le squat, je dirais, classique. On va maintenant voir le squat écart. Donc le squat écart, on va cette fois écarter un peu plus les jambes, pointe de pied plus vers l'extérieur, les genoux qui vont vers l'extérieur. Et là ici, je vais squatter. On fait bien attention à ce que ces genoux aillent vers les pointes de pied. Je serre le ventre, je descends et je monte. Donc là, vous allez sentir un petit peu plus au niveau des fessiers et de l'intérieur des cuisses. Donc, même chose que pour le squat que l'on a vu tout à l'heure, on peut aussi faire un petit travail de blocage en bas. Je maintiens la posture quelques secondes et je remonte. On peut aussi descendre et effectuer des petits rebonds en bas. Ça va intensifier aussi. Ou faire répétition normale. Voilà. Donc, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités, hein, les deux squats que l'on vient de voir. Et aussi les différentes petites variantes pour intensifier un petit peu. Et vous pouvez aussi faire plusieurs séries, plusieurs répétitions en fonction de votre niveau, avec un petit peu de repos entre chaque. Pour terminer, on va voir maintenant les fentes. Donc pour les fentes, on va se placer ici, jambes parallèles, voilà, et on va faire ce que l'on appelle des fentes avant. D'accord? Donc il y a ma jambe gauche qui va partir en avant et je vais descendre en position de fente en restant bien droit. Donc là, je passe ma jambe devant et là, je descends et je reviens. Même chose avec l'autre jambe, un pas en avant, je descends et je reviens. Voilà. Donc ce qui est important, c'est quand on descend, c'est de se tenir bien droit. Je pose d'abord mon pied et je descends bien à la verticale. Et je remonte. Voilà. Donc ce qui est important aussi pour les fentes, c'est aussi de pousser sur son talon. D'accord? On va pouvoir effectuer aussi des fentes fixes. Donc je vais me placer jambe gauche devant, jambe droite derrière. Voilà. Et là, tout simplement, je vais descendre et monter. Je descends et je monte. Je contrôle bien mon mouvement ici. Je reste bien droit. Je descends et je monte. Et je pousse bien sur le talon de ma jambe avant. Voilà, je pousse bien sur le talon de ma jambe
avant. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs répétitions, plusieurs séries, varier, alterner la jambe gauche, alterner la jambe droite. Et comme pour les squats tout à l'heure, on peut varier aussi les intensités. On va pouvoir par exemple descendre ici, bloquer en bas. Vous allez voir, assez difficile. Et on va pouvoir également descendre et effectuer aussi des petits rebonds en bas avant de remonter. Voilà, on retrouve un petit peu les mêmes variantes que l'on avait pour le squat, bloquer en position basse et effectuer également des petits rebonds. Donc vous allez pouvoir également faire toutes ces variantes, plusieurs séries, plusieurs répétitions. Donc voilà pour aujourd'hui, bon entraînement, amusez-vous bien!